was why he was complaining and said no one told him to leave the ball. Okocha, that's to the back post. Keeper was a little, let's see, great shot came in. Cleared off the line. Gattos was in and then the goal. Stuck in the back. It's John Utaka who gets the opening strike. And Malawi have taken it as well. Yeah, the defender should have helped the goalkeeper after he made the first save. You know, you don't all pack into the post. See, there was no one free to take John Utaka. They were all in the line or in the line and the goalkeeper didn't start. They're now going to lead by 2-0. Now, Ajimosi will lose the ball here to Utaka and 2-0. I'm going to give him another one. Well, he's a decent player and I'm sure he'll get plenty of opportunities, but that's just dreadful defending. Keeper, well, he's left high and dry, simple task, but he did very well just to keep his composure. And here you see it again, a little bit of a ricochet, they're a bit fortunate, but they've got out of it, they've got the ball, just clear it. No, he doesn't, he wants to take him on. And then we see a little bit of calmness from the forward play. Now here's a great chance for Nigeria to make it 2-1 and in. And it's John Utaka. Cameroon so rien pendant une demi-heure entre ces honteux du jour. Il cherche d'abord à se rassurer jusqu'à cette ouverture de Gourcuff pour Kallström. Kallström pour Utaka qui devance Guillermo Rodriguez. La quatrième passe de Kallström et le quatrième but
de l'attaquant nigérian de retour de la CAN qui marque sur ce vrai contre d'école. Et une fois de plus, le côté gauche rennais est des plus décisifs sur ce coup-là. Ça fait 1-0 pour le Stade Rennais qui espère mettre fin à ses 5 défaites consécutives et qui joue véritablement en contre et qui profite des largesses défensives de la défense de Lens. Utaka de nouveau, cette fois-ci c'est Planax, s'est croisé en force, a trouvé les repères et tranquillement Kastrum dépose ce ballon à John Utaka. Rennes qui avait marqué un seul but en 5 matchs, qui mène 2-0 à la pause. Les enfants de l'Ouest peuvent alors rentrer à la baguette. Kim Kastrum, quel joueur, il sait tout faire, il voit juste la patte gauche pour chercher Utaka, Monterubio, Utaka, et ça fait 4-0, le triplé, 30e but en championnat. Eh bien c'était lors d'un Lens-Rennes, mais cette fois-ci sous les couleurs lensoises. L'an passé, action d'école, 7e passe décisive de Monterubio. Et Utaka, tranquille de l'intérieur du pied cette fois-ci, pour ajuster Charlie Tange. Rennais inquiété, attention à ce corner et cette tête terrible de John Utaka. Utaka, auteur de 3 buts contre Lens, vient placer cette tête terrible qui laisse sans réaction pratiquement 1-0 pour le Stade Rennais. Alors cette équipe lyonnaise toujours perturbée, on combine sur le côté droit, on construit et ça va très très vite. La défense lyonnaise est prise de vitesse, regardez la suite, c'est Utaka qui frappe. Où est ce ballon? Non, il n'est pas dehors, il est cadré, Grégory Coupet est à terre avec une frappe terrible pour Rennes de John Utaka. Derrière la Ligue des Champions à l'automne dernier, l'OL n'avait jamais perdu. Eh bien l'OL est KO debout pour la 3e fois. On construit toujours sur ce côté droit. Et encore une fois, ça va très vite. Perrier Doumbé, Karlström, le relais, le centre. Et à l'arrivée, l'intenable John Utaka. 4 buts à 1 qui passent devant Muller et Coupet. 4 tirs, 4 buts. Il l'avait encore une fois réalisé contre Lens il y a 8 jours à domicile. Bien là, c'est à l'extérieur.